Au Gabon, on parle également de célébrations à l'instar des autres localités du pays. Le district de Moukralaba, dans la province de l'Anyanga, a célébré avec engouement les 54 ans du Gabon. Un défilé a ponctué ces manifestations. C'est ce que nous rapporte Jean-Éric Nzengi Mangala. C'est Ndengilila, le chef-lieu du district de Moukralaba, qui a abrité les réjouissances à l'occasion de ce 54e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté internationale. Acte 1, la remise des décorations par le sous-préfet Dominique Ndamambo à deux récipiendaires élevés au grade de chevalier dans l'ordre du mérite gabonais. Au nom du président de la République, chef de l'État, et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous décore de la médaille de chevalier du mérite gabonais. En présence du député du siège Ferdinand Badinga Mombo, de quelques chefs de service en poste au district, la gendarmerie locale a ouvert ce défilé. Suivi de l'administration sous-préfectorale et des autres populations venues de tous les villages du 3e canton du département de Mougouti, correspondant au district de Moukralaba. Les habitants de ce district tenaient à marquer d'une pierre blanche cette indépendance du Gabon en 54. Nous avons toujours organisé la fête au niveau de Ndengilila. Et cette fois-ci, cette édition, je crois qu'elle a mieux réussi par rapport aux présentes éditions parce qu'il y a vraiment l'engouement avec la mobilisation que vous avez vue tout à l'heure. Les populations ninoises sont très contentes par rapport à l'œuvre du chef de l'État dans leur province. Commencez par le pont sur la Bagno, les routes qui se font et vous venez de le constater par la joie, par... la joie de nos populations. Les réjouissances se sont poursuivies dans les villages du district et la joie au cœur, le rendez-vous a été pris pour le 17 août 2015.